Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle session des Cafés 6 qui va mettre à l'honneur aujourd'hui les bioprocédés. Et donc pour cela, nous allons accueillir dans un premier temps Stéphanie Fasso, qui est professeure en génie des procédés à AgroParisTech et qui va nous parler de la mention de master génie des procédés et bioprocédés. Et suite à cette présentation sur la formation, nous aurons une présentation de Catherine Béal, qui est professeure en génie biologique également à AgroParisTech et qui nous présentera l'UMR Safefood, donc Safefood pour Paris-Saclay Food and Bioproduct Engineering. Et plus particulièrement, elle nous parlera de l'équipe ProBiocep, qui est l'équipe procédé microbiologique de stabilisation et de séparation, qui nous donnera donc un aperçu un peu plus précis de cette équipe-là. Voilà, mais je vais maintenant laisser la parole à Stéphanie pour la présentation des masters. D'accord. Merci beaucoup Fabrice pour la présentation. Peut-être quelques mots pour me présenter rapidement. Donc effectivement, je suis Stéphanie Passot, je suis professeure à AgroParisTech en génie des procédés et je suis rattachée à l'UMR Safefood pour mes activités de recherche. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le master génie des procédés et des bioprocédés. Donc j'ai la responsabilité de la mention de master. C'est un master qui implique en fait trois partenaires qui travaillent je dirais, en étroite collaboration dans ce master, qui est l'Université Paris-Saclay avec notamment la Faculté des sciences d'Orsay, Centrale Supélec et AgroParisTech. Et ce master a la particularité d'être rattaché à deux mentions, donc la mention génie des procédés et des bioprocédés et aussi la mention énergie depuis un an. Donc, ce master, il est vraiment construit sur un parcours M1 plus M2. Donc, on va avoir l'ensemble de la formation au master avec un master de M1, une formation de M1 qui s'appelle Procédé, qui est opérée dans l'établissement référent et la faculté des sciences d'Orsay, hein, l'Université Paris-Saclay, et qui alimente deux parcours de M2. Un parcours qu'on appelle PBA, Procédé, Biotechnologie et Aliments, dont l'établissement référent est AgroParisTech, et le parcours Procédé Énergie et Environnement, donc PEE, dont l'établissement référent est l'Université Paris-Saclay avec la Faculté des sciences d'Orsay. Voilà quelques mots de présentation rapide. Est-ce que ça passe? Voilà. Alors, un petit peu d'historique sur la création de ce master. C'est un master qui a été créé en 2015, conjointement avec avec cinq établissements. Donc, en plus des trois établissements que j'ai mentionnés, participaient l'ENSTA et l'INSTEN et le CEA. Donc, ce master, il a été créé à partir d'un constat, fait par les établissements de recherche et le monde industriel sur un déficit de cadres scientifiques qui étaient formés sur les problématiques des procédés, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et des biotechnologies et de l'agroalimentaire. Donc, pour répondre à ce déficit, les cinq établissements se sont mis autour d'une table pour essayer de construire une formation en génie des procédés sur ces thématiques. Donc, en 2019, on a dû revoir complètement la maquette suite au départ de l'ENSTA, de l'INSTEN et du CEA, ce qui a amené en fait le rattachement du master à la mention énergie, qui a permis de mutualiser pas mal d'UE avec des masters de cette mention. Voilà pour quelques mots d'histoire. Alors, pour fixer un peu ce qui est ce qu'on appelle le génie des procédés, donc j'ai repris une définition d'un de nos camarades d'AgroParisTech, hein, qui anime les enseignements autour du génie des procédés. En fait, le génie des procédés, ça va être un ensemble de méthodes génériques qui vont viser à concevoir, dimensionner et définir des conditions opératoires optimales et aussi de contrôler les équipements industriels qui vont permettre la transformation de matières premières en produits. Alors, AgroParisTech, ça va plutôt être la partie transformation des matières premières agricoles en produits alimentaires et en produits, ce qu'on appelle en bioproduits, mais ça peut être tout type de transformation de matières.
Et cette discipline du génie des procédés, elle va s'appuyer sur un certain nombre de disciplines classiques que j'ai remis ici. Donc, on va s'appuyer sur de la physique, chimie, la thermodynamique, des mathématiques, de la microbiologie et d'autres hein, qui vont nous permettre en fait de proposer des lois élémentaires pour décrire des phénomènes. Et le génie des procédés va combiner ces lois élémentaires afin de répondre à différentes problématiques des sciences pour l'ingénieur. Donc là, j'ai noté à côté un peu les différentes, on va dire, compétences qu'on a listées qui vont être acquises par nos étudiants de master. Donc, il y a une dimension, effectivement, à partir de ces outils, hein, du génie des procédés, on va pouvoir dimensionner et choisir des opérations unitaires qu'on va assembler pour avoir la succession du procédé. Ça va permettre aussi aux étudiants de dimensionner, optimiser, conduire et aussi accroître les capacités de production des procédés, avec vraiment la notion un peu de trouver le verrou et en fait de lever ce verrou qui peut être technologique mais aussi organisationnel afin d'accroître les capacités de production d'une usine. Ça va permettre aussi de concevoir de nouveaux procédés, des procédés innovants. Et également de le regarder un œil avec une approche de durabilité, un peu d'éco-conception. Dans les problématiques aujourd'hui environnementales, c'est un point important pour les étudiants. Et aussi de réaliser une optimisation technico-économique d'un procédé dans sa globalité. Donc là, c'est un peu le cadre, le scope en fait du master, enfin de la notion du génie des procédés et des notions qu'on va faire passer, dont les compétences acquises par les étudiants de ce master. Alors, l'approche pédagogique qui a été mise en place pour répondre aux besoins des laboratoires de recherche et des industriels en procédé, c'est déjà dès le M1 de donner de solides bases en génie des procédés qu'on apporte dès le M1 et qu'on complémente en début de M2. C'est une formation qui est basée sur de nombreux TD, TP, des simulations avec des logiciels professionnels, des visites d'usines, hein, des interventions d'industriels. Basée avec deux longues périodes de stage, notamment en M1, en fin de M1, bon, ils ont la possibilité d'étendre leur période de stage jusqu'à 5 mois, ce qui leur permet déjà d'avoir une bonne expérience professionnelle, et 6 mois en M2. Et cette recherche de stage, elle est accompagnée hein, par une formation dédiée pour leur permettre d'optimiser la recherche, notamment sur la partie M2. Et une ouverture, une application de ces bases hein, de génie des procédés sur deux problématiques spécifiques qui ont amené à deux parcours de M2. Hein. Donc, le parcours biotechnologie et aliments, dans lequel vont notamment être coordonnés par AgroParisTech avec Catherine Béal qui fera la présentation de l'équipe tout à l'heure et Centrale Supélec. Et le parcours énergie-environnement qui est piloté par Paris-Saclay et la Faculté des sciences. Alors, ce master en termes d'effectifs, alors sur la formation de M1, c'est à peu près 20 étudiants. Et on reçoit, pour vous donner un peu un ordre d'idée en termes de candidatures reçues pour ce M1, c'est à peu près 200 candidatures, entre 200 et 250 candidatures. Et ces 20 étudiants vont alimenter les deux parcours de M2 donc, et qui ont des effectifs max sur ces deux parcours de M2 de 16 étudiants chacun. Hein, donc, c'est plutôt des petites promos qui permettent en fait, d'axer vraiment une formation autour des TD et TP à mettre en place sur les formations de M2. Donc, j'ai rappelé aussi en termes de candidatures reçues hein, pour le parcours PBA, c'est à peu près 80-100 candidatures qui sont reçues pour ce M2. Et pour le master PE, hein, la partie énergie, c'est à peu près, je pense, 250, voire peut-être un peu plus candidatures qui sont reçues. Et dans ce master, on a plus de 50% d'étudiants internationaux. Donc, c'est un master en français et on a, je pense, plus de 70% d'étudiants internationaux dans nos promos. Alors,
en termes d'insertion professionnelle issue à l'issue de ce master, on a à peu près 75% des diplômés qui ont un emploi ou une thèse à l'issue des 3 mois à la fin de leur stage de fin d'études. Donc, on place très bien les étudiants dans le monde professionnel. Alors, quelques statistiques un peu grossières hein, pour voir à peu près la répartition du placement de ces étudiants. Dans le parcours PBA, c'est à peu près 60% des étudiants qui vont rejoindre l'entreprise et 40% qui vont être en formation doctorale ou autre poursuite d'études. Et sur le parcours PEE, donc énergie environnement, c'est 40% en entreprise et à peu près voilà, 40% en doctorat et 20% en poursuite d'études. Voilà, on est à peu près sur les objectifs qu'on était placés d'avoir à peu près moitié-moitié entre entreprise et en doctorat. Les principaux métiers qui sont visés, donc, ils sont assez divers, hein, je pense, et à tour ben, de tout ce qui va être les bureaux d'études, les cabinets de conseil, la production, en usine, la partie des cabinets d'ingénierie, du développement et effectivement de la recherche sur des contrats chiffres ou autres. Donc là, quelques illustrations ben, des différents domaines hein, dans lesquels les étudiants vont se placer. Et un peu les secteurs professionnels cibles des deux parcours. Donc, ce qui est plutôt biotechnologie aliments, bon, on va retrouver l'industrie agroalimentaire avec tout ce qui va être la production d'aliments, mais aussi de produits alimentaires intermédiaires. Les biotechnologies industrielles, tout ce qui va être le domaine de la chimie renouvelable, des bioénergies, et le domaine de la pharmacie cosmétique. Avec les médicaments qui vont être produits soit de la chimie classique, soit des biotechnologies et tous les produits cosmétiques. Donc voilà, c'est assez divers en termes de secteurs professionnels pour nos étudiants. Sur la partie énergie-environnement, bon, on va retrouver ben, l'industrie du procédé, hein, la grosse industrie du procédé qui peut être l'industrie chimique ou les industries d'autres procédés. Le secteur de l'énergie, avec la production d'énergie, les énergies renouvelables, et le domaine de l'environnement avec ben, tout ce qui va être traitement des effluents industriels, traitement de l'eau, traitement des déchets ménagers et des gaz et fumées. Donc, c'est aussi une grande variété de secteurs industriels dans lesquels les étudiants hein, se placent. Après, je vous ai juste mis un peu un exemple. Alors, j'ai pris l'exemple du parcours biotechnologie et aliments pour rester un peu dans la thématique bioprocédé. Là, vous avez un peu un exemple, enfin, les différents logos hein, des entreprises dans lesquelles se sont positionnés les étudiants du M2 PBA. Donc, on retrouve bien tout ce qui va être l'agroalimentaire, la pharmacie et d'autres industries plus de process. Et j'ai mentionné en bas, puisque effectivement, parmi ces étudiants du master PBA, ça a permis de recruter au sein de nos UMR ben, des futurs doctorants dans nos contrats doctoraux. Donc, effectivement, je pense qu'on a pu recruter de très bons étudiants en doctorat parmi nos étudiants. Donc, voilà un peu pour le scope de ce master. Peut-être pour terminer un peu, présenter l'organisation pédagogique et la maquette pédagogique. Donc, ce master, il est organisé sur le parcours M1 plus M2, il est construit. Donc, avec un premier 1 M1 qu'on a renommé depuis l'année dernière, qui s'appelle le M1 procédé, qui est construit autour de deux options. Une option génie des procédés, qui va reprendre un peu le master dans son origine, et une option énergie procédée qui permet à une petite partie de la promotion de déjà se spécialiser un peu plus dans la thématique énergie. Et donc, le M1, si vous voyez ici, donc effectivement, il va être organisé autour d'un tronc commun des étudiants qui va représenter à peu près 26 ECTS et après des enseignements rattachés aux deux options de ce M1. Il se termine par un stage qui peut être en laboratoire de recherche ou en entreprise entre 2 à 5 mois en fonction des souhaits des étudiants. Ensuite, à l'issue de ce M1, donc on a deux parcours de M2, hein,
qui sont proposés, qui fonctionnent sur la même optique, en fait, des UE de tronc commun et ensuite des UE spécifiques aux deux parcours, avec un stage de fin d'études au semestre 2. Donc pour rentrer peut-être un peu plus en détail, alors je vais pas rentrer trop en détail dans les objectifs et les contenus de chaque unité d'enseignement, j'ai juste listé un peu les titres de chacune des UE pour avoir une petite idée, alors très large, hein, du contenu. Donc sur la partie M1, donc il y a effectivement du tronc commun. Et là, ce tronc commun, on va retrouver des UE des disciplines sur lesquelles va s'appuyer le génie des procédés. Donc là, on va détailler des UE autour de la thermodynamique, des réacteurs chimiques, de la modélisation, des transferts, de la mécanique des fluides, des matériaux. Donc là, on est plutôt dans des UE qui vont être relativement disciplinaires, hein, qui vont permettre de poser les bases utilisées par le génie des procédés. Ensuite, on a des UE qui vont être par option, donc l'option génie des procédés et l'option énergie procédée. Donc là, effectivement, option génie des procédés, là, on va rentrer un peu plus en détail dans certaines des UE du tronc commun. Et l'autre option énergie procédée va aborder quelques problématiques autour de l'énergie. Et ces étudiants vont se retrouver autour de quatre unités d'enseignement qui sont plus focalisées sur des opérations unitaires, avec aussi un point sur l'automatisme et l'instrumentation. Donc, avec pour l'option génie des procédés, ils suivent les quatre unités d'enseignement. L'option énergie, ils n'en choisissent que trois sur les quatre en fonction du parcours qu'ils veulent se construire. Donc voilà un peu sur le contenu du M1. Le contenu du M2, il fonctionne un peu sur le même principe, du tronc commun, des UE de tronc commun qui sont suivis par les étudiants des deux parcours, où on renforce des bases en génie des procédés, et ensuite des UE dédiés à chacun des parcours. Donc pour le parcours procédé énergie environnement, des choses qui vont être très tournées autour de l'énergie, du traitement des effluents. Et du parcours biotechnologie aliments, plutôt effectivement tourné autour des biotechnologies, tout ce qui va être les bioprocédés et aussi les procédés autour de l'aliment, avec le médicament. Donc voilà pour un petit parcours, alors très rapide, peut-être trop rapide, du contenu pédagogique de ce master. Donc pour terminer, à peu près les contacts du M1 et des deux parcours de M2. Donc, le M1 est plutôt piloté par Anen Salmi, qui nous a rejoint cette année en remplacement de Pierre Millet. Les parcours PBA sont pilotés par Catherine Béal d'AgroParisTech et de François Pouel de Centrale Supélec. Et le parcours PE, il est piloté par Loïc Casso de l'Université Paris-Saclay. Donc, voilà pour la présentation de ce master. Si vous avez des questions. Merci. Donc, effectivement, je ne sais pas s'il y a des questions dans l'Assemblée. Sinon, je vais commencer par poser peut-être les premières questions. Donc, tu nous as dit en préambule que le master avait été créé en 2015, suite à un certain nombre de demandes. Et avant 2015, en fait, il y avait quoi comme formation sur cette thématique-là? Alors, je pense que les formations étaient surtout portées par les écoles d'ingénieurs. D'accord. Je pense qu'au niveau de l'université, il y a quand même très peu de formations en génie des procédés. C'est dans la carte de création des masters au moment où il y a eu la création de l'université qu'il y a eu ce souhait de faire un master qui n'existait pas avant. Surtout aussi lié au fait que même les écoles d'ingénieurs sont aperçues qui sont dans le procédé avaient du mal à recruter de très bons étudiants en thèse sur ces problématiques de procédé. Et ça, nous, on le voit, en fait, on a du mal à avoir des étudiants en thèse. Donc, l'idée, c'était effectivement parce que les ingénieurs, ils vont aller tout de suite dans le monde de l'entreprise et effectivement, d'avoir une formation scientifique pousser sur des aspects procédés afin d'alimenter les demandes des laboratoires de recherche et aussi certaines volets recherche d'entreprise.
Justement, sur ce lien formation recherche, c'était une question. Donc, tu nous as dit que l'objectif, c'est à peu près moitié-moitié. Vous êtes un petit peu moins parce que vous êtes aux environs de 40%. Voilà. Cette volonté 50-50, parce qu'on aurait pu faire… Stéphanie peut répondre. Alors, sur le souhait, alors là, je ne saurais pas dire, parce que je n'étais pas à l'origine de la création du master. Pourquoi le 50-50? Je peux peut-être répondre. Ouais. À l'origine, en fait, il y a un réel besoin dans l'industrie de professionnels dans le domaine du génie des procédés. Pour rebondir sur la réponse à la question précédente, en fait, il y avait une formation assez importante en fait à Centrale Supélec en génie des procédés. Et puis un petit problème de son. Excusez-moi, j'ai entendu sonner, donc je ne sais pas d'où ça venait. Donc la politique de Centrale Supélec a évolué et donc il y a eu des engagements en fait de Centrale Supélec en génie des procédés pendant, donc on va dire au début des années 2010, autour de ces années-là, mais avec toujours un besoin de former des demandes des entreprises, besoin de former pour avoir un pool de doctorants potentiels. Et voilà, c'est ce qui a généré aussi la création de ce nouveau master. Donc, avec vraiment le souci de former à la fois des personnes destinées à faire de la recherche, mais aussi des personnes destinées à rentrer en entreprise, parce qu'il y a vraiment un besoin dans l'industrie en France pour des personnes formées en génie des procédés. Voilà, c'était pour compléter la réponse. Ouais, merci Catherine. Très bien, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais j'en ai une toute petite sur l'origine des étudiants qui arrivent chez vous en M1. Ils viennent d'où principalement? Je ne sais pas si. Ils viennent alors cette année, parce que je dirais que cette année, hein, parce que l'année dernière, on n'a pas ouvert le M1 suite au. Au Covid. Ouais, on a pris la décision de ne pas ouvrir le M1 et en plus, on avait beaucoup de choses qui bougeaient, donc on avait besoin de temps pour redévelopper certaines UE. Alors, cette année, on a quelques étudiants qui viennent de Paris-Saclay sur les doubles licences physique-chimie. On a aussi des étudiants qui viennent aussi d'une double licence physique-chimie de l'université de Nantes, il me semble, à peu près. Cette année, on a 6 étudiants de l'université anglaise de Wolverhampton. C'est des étudiants qui sont d'origine de Côte d'Ivoire, qui ont une bourse pour aller faire leur bachelor en chemical engineering là-bas. Donc, on a pris un peu de. Oui, je pense qu'on doit avoir. Alors, il faudrait que je fasse ceci, qu'on a un peu de l'université Paris-Saclay. Ok. Donc, c'est sûr, en fait, c'était surtout, principalement, le sens de ma question, est-ce qu'il y avait quand même des étudiants de Paris-Saclay ou si c'était des étudiants d'origine. Alors, c'est pas la majorité, parce que comme on est pluridisciplinaire et qu'après, les licences sont très monodisciplinaires, enfin, je dirais monodisciplinaires, hein, mais effectivement, après, les gens vont plutôt aller, ceux qui sont issus d'une licence de chimie vont aller dans un master de chimie. Donc, après. Mmh. Ok, merci. Pour compléter peut-être, au niveau des M2, on a également des élèves ingénieurs qui viennent faire leur dernière année d'école d'ingénieur en master, et puis des étudiants pharmaciens également. Voilà, c'était pour élargir un petit peu la réponse aussi. Très bien, ben merci. Écoutez, je vous propose de passer à la présentation sur les aspects recherche, et puis éventuellement, s'il y a des questions à la fin. Alors on pourra revenir sur les deux. Donc, Catherine, tu dois pouvoir présenter. Par contre, le micro n'est pas activé. Voilà, mon micro s'est désactivé entre-temps. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon là, parfait. D'accord. Très bien. Écoutez, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer par me présenter également, comme l'a fait Stéphanie. Moi, je suis Catherine Béal.
Je suis professeure en génie microbiologique à AgroParisTech. Donc, je viens vous présenter notre équipe de recherche qui est intégrée à l'unité mixte de recherche SafeFood. SafeFood pour Paris-Saclay Food and Bioproduct Engineering, qui s'intéresse à l'ingénierie des aliments et des bioproduits pour élaborer des systèmes alimentaires sains et durables. Donc, l'UMR SafeFood, d'abord en quelques mots. Elle est constituée actuellement d'environ 120 permanents, dont trois quarts de scientifiques, hein, enseignants-chercheurs, chercheurs et ingénieurs, essentiellement dépendants d'AgroParisTech et d'INRAE, un petit peu de Paris-Saclay et du Conservatoire national des arts et métiers. On a au niveau de l'équipe des compétences qui relèvent donc de différentes disciplines, donc en particulier du génie des procédés, hein, Stéphanie vient d'en parler, aussi de la microbiologie, hein, microbiologie appliquée, on va présenter un ou deux exemples tout à l'heure, également des compétences en modélisation et bien sûr des compétences également en physico-chimie et chimie qui sont un peu moins présentes en fait dans notre équipe. Alors, la stratégie scientifique de notre UMR est de développer des approches mécanistiques pluridisciplinaires et systémiques de façon à repenser les transformations et les biotransformations pour rendre les systèmes alimentaires et non alimentaires plus durables. Également pour contribuer à une innovation produit-procédé et en intégrant très en amont et de façon de plus en plus systématique, les contraintes environnementales. Alors, cette stratégie, elle a été construite pour répondre à différents enjeux sociétaux qu'on considère, nous, comme importants au regard de notre prisme, bien sûr, à nous et de nos compétences, des enjeux de développement de nouveaux aliments, notamment de nouveaux aliments fermentés, des enjeux liés à l'intégration de nouvelles sources de protéines, notamment des protéines végétales dans notre alimentation, des enjeux liés à la mise en place d'une alimentation personnalisée, donc orientée en fonction des besoins et des spécificités des consommateurs, des enjeux liés à la conception de systèmes alimentaires urbains et périurbains plus économes, et enfin, des enjeux portant sur la valorisation de coproduits ou de biodéchets issus des agro-industries afin de limiter les rejets et de lutter contre le gaspillage. Alors, pour répondre à ces enjeux, l'unité s'appuie sur des différentes compétences multidisciplinaires et sur différents objets de recherche. Et donc, elle est structurée pour cela en cinq équipes. Donc, l'unité est structurée en cinq équipes. Très rapidement, donc une équipe qui est très orientée vers la microbiologie, hein, l'équipe COMIA, alors communauté microbienne alimentaire, travaille principalement sur les communautés microbiennes des fromages. Je passe directement à la troisième équipe, donc l'équipe IAC pour interaction homme-aliment pour la conception, qui développe des approches originales, notamment en termes d'analyse sensorielle. Une autre équipe intitulée Génie des produits, GPRO, qui s'intéresse beaucoup aux interactions entre les produits et les procédés permettant leur élaboration. L'équipe MODIC pour modélisation et ingénierie par le calcul, qui interagit beaucoup en fait avec les quatre autres équipes de l'unité. Et donc, pour terminer, l'équipe ProBiocep. Alors, ProBiocep que je me propose maintenant de vous présenter un petit peu plus en détail. Donc, l'équipe ProBiocep pour procédés microbiologiques de stabilisation et de séparation, c'est une équipe que je co-anime avec Violaine Attès et qui comprend actuellement environ 25 permanents ainsi que des doctorants et des stagiaires. Le positionnement scientifique de notre équipe est vraiment au cœur des procédés de transformation. Et plus particulièrement, donc, nous nous intéressons à la production de biomasse microbienne. Donc, les biomasses microbiennes, hein, ce sont des micro-organismes d'intérêt pour les activités de l'homme, hein, donc des micro-organismes d'intérêt technologique. Et nous nous intéressons également à la production de molécules d'intérêt.
à la fois dans les domaines de l'alimentaire et du non-alimentaire, et avec un focus fort sur la réduction des impacts associés aux procédés mettant en œuvre ces différents composants. Donc ainsi, à notre question de recherche, peut donc s'écrire « Comment concevoir et optimiser des procédés de production, stabilisation des biomasses microbiennes, de production, séparation de biomolécules, en intégrant des dimensions liées à la qualité des produits, aux performances des procédés et à leurs impacts environnementaux. » De façon originale, nous apportons notre question de recherche à différentes échelles, en partant donc de l'échelle moléculaire pour aller à l'échelle des cellules, notamment microbiennes, des populations microbiennes également, qui peuvent être inscrites dans des milieux ou dans des matrices particulières, qui seront mises en œuvre dans des procédés, eux-mêmes associés dans des systèmes qui peuvent aller jusqu'à l'échelle du territoire. Et ces différentes échelles sont étudiées grâce à différentes approches, des approches plutôt expérimentales qui nous permettent l'étude de différents mécanismes, comme on va le voir au travers de deux exemples tout à l'heure, par des caractérisations offline, in situ ou en dynamique. Mais également, nous mettons en œuvre des approches de modélisation mécanistique, multi-échelle et des flux métaboliques microbiens. Et enfin, des approches d'optimisation, notamment par le biais d'optimisation multicritères. Voilà donc sur ces différentes approches. Alors, pour aborder cette question, nous nous intéressons en fait à différents procédés et bioprocédés. Donc, des procédés biologiques d'une part, donc des procédés de fermentation, de bioconversion, de catalyse, mais également des procédés plutôt physiques, de stabilisation, comme la lyophilisation ou la congélation, ou des procédés de séparation, bon, membranaire, chromatographique, distillation, par exemple. Et de façon plus originale, nous nous intéressons également au couplage et à l'association de ces procédés de façon à intensifier leur mise en œuvre et de façon à réduire également les consommations en eau et en énergie. Donc, ces procédés, on les applique à différents sujets, différents milieux, différents micro-organismes, différentes matrices et différents milieux, si possible proches des réalités industrielles. Et cela pour élaborer différents types de produits d'intérêt qui sont pour nous des modèles d'études, donc des produits d'intérêt qui peuvent être des micro-organismes que l'on va chercher à optimiser en termes de fonctionnalité, mais qui peuvent être également aussi des biomolécules, comme des molécules plateformes, telles que des acides organiques, ou des molécules volatiles, telles que des composés d'arômes. Voilà donc sur cette présentation un peu rapide des activités de l'équipe. Et ce que je me propose maintenant, c'est de les illustrer par deux exemples pris dans nos thématiques de recherche. Donc, le premier exemple s'intéresse à la stabilisation de produits biologiques, comme par exemple des bactéries lactiques, des levures ou des cellules de mammifères, avec pour objectif de développer une approche systémique pour comprendre et contrôler les mécanismes d'obtention de fonctionnalités biologiques dans des procédés de transformation intégrés, tout en limitant l'impact environnemental de ces procédés. Et donc, pour cela, il est possible de s'appuyer d'une part sur la caractérisation des propriétés des produits, notamment à chaque étape de leur production, de s'appuyer également sur l'étude et la compréhension des mécanismes de dégradation ou de protection des bioproduits et des cellules étudiées, et enfin de s'appuyer sur le développement d'outils pour la formulation et le contrôle des procédés. Alors, ces travaux sont notamment conduits dans le cadre du projet européen Premium, auquel participe très activement Stéphanie Passot. Donc, ce projet
vise le développement de nouvelles stratégies pour préserver des bactéries lactiques qui sont largement utilisées hein, dans les produits laitiers fermentés, notamment comme les fromages ou les yaourts, et ce, à l'échelle du laboratoire jusqu'à l'échelle industrielle. Donc, plus particulièrement, donc, ce projet s'attache à valoriser des oligosaccharides comme molécules protectrices ou comme matériaux d'encapsulation de ces bactéries lactiques, de façon à les protéger lors des étapes de congélation ou de lyophilisation ou de séchage. Et cela, donc afin d'obtenir des ferments de qualité élevée en termes de fonctionnalité, tout en augmentant les productivités des procédés qui permettent de les produire et tout en maîtrisant les impacts environnementaux liés à leur production. Alors, grâce à différentes approches expérimentales, le projet a en particulier permis d'améliorer la compréhension de certains mécanismes de cryorésistance des micro-organismes. Et donc, sur ce transparent, donc on voit en fait différentes approches qui ont été développées pour différencier donc des cellules microbiennes résistantes à la congélation, deux cellules sensibles à la congélation. Ces outils ont été développés au niveau des membranes cellulaires hein, qui permettent de différencier ces deux types de cellules en termes de composition en acide gras des membranes, en termes de fluidité membranaire ou de transition de phase lipidique, mais permettent également de différencier ces types cellulaires au niveau cytoplasmique par des mesures de température de transition vitreuse ou par la détermination de leur composition biochimique fine en s'appuyant sur des techniques de microspectroscopie infrarouge à transformer de Fourier. Et donc, parmi les principaux résultats obtenus lors de ces travaux, ont été établis des marqueurs de cryorésistance, donc des marqueurs précoces mis en place sur des cellules humides, donc non déshydratées, qui permettent de prédire d'une certaine façon la résistance ou la non-résistance de ces cellules au traitement ultérieur de congélation ou de lyophilisation. Et donc, ces marqueurs sont donc de très bons outils pour aider à la décision afin de comparer différentes formulations ou différentes conditions de conduite de procédés de stabilisation de ces micro-organismes. Voilà, donc pour ce premier exemple, rapidement maintenant un deuxième exemple d'illustration, donc un deuxième exemple qui porte cette fois sur la production d'un acide organique qui est donc l'acide 3-hydroxypropionique que je vais appeler maintenant 3-HP. Donc ce 3-HP est l'une des trois molécules plateformes les plus prometteuses identifiées par le département de l'énergie américain. Donc, c'est une molécule de plateforme qui ne présente pas d'application en tant que telle, mais qui peut être ensuite transformée pour élaborer d'autres molécules d'intérêt. Hein, donc, ici, par exemple, l'acide acrylique, le 1,3-propandiol, l'acide malonique, hein, pour donc ici trois groupes d'applications déjà commerciales. Et puis, potentiellement, d'autres molécules qui, pour l'instant, ne sont pas encore commercialisées. Voilà, donc le 3-HP, pour l'instant, n'est pas produit en tant que tel. Hein, il n'est pas synthétisé par voie chimique parce que les procédés ne sont pas performants. Néanmoins, de par son intérêt en tant que molécule plateforme, eh bien, des travaux sont actuellement menés pour le produire par voie biotechnologique. Par voie biotechnologique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des micro-organismes. Ici, donc, il s'agit d'utiliser la bactérie Acetobacter cerevisiae. Cette bactérie va fonctionner comme une usine cellulaire. Donc, à l'intérieur de cette bactérie, il va y avoir une succession d'étapes de transformation, de réactions chimiques qui vont conduire à la transformation d'un précurseur qui est le 1,3-propandiol pour élaborer le 3-HP.
Cependant, cette usine cellulaire n'est pas très performante pour l'instant. Et notamment, elle est soumise à deux verrous importants. Le premier est lié à l'accumulation d'un intermédiaire qui est le 3-hydroxypropionaldéhyde, qui va s'accumuler à l'intérieur des cellules. Et donc, ce premier verrou est levé en réalisant en fait une alimentation programmée du bioréacteur au cours de la bioconversion. Donc, on alimente ce bioréacteur avec le E3-propandiol, ce qui permet d'éviter l'accumulation de ce 3-HPA et donc de lever ce phénomène d'inhibition. Et puis, il y a un deuxième mécanisme d'inhibition qui est lui directement lié à l'accumulation du 3-HP. Donc, ce 3-HP est produit à l'intérieur des cellules, mais il est ensuite excrété et son accumulation dans le milieu de bioconversion génère une inhibition de sa propre production. Alors, pour lever ce deuxième phénomène d'inhibition, eh bien, nous avons choisi de coupler le procédé de bioconversion à un procédé de séparation. Donc, il s'agit ici de séparer le 3-HP du milieu de façon à l'éliminer et à accroître les performances de production et donc à intensifier le procédé. Donc, pour éliminer ce 3-HP, donc nous avons choisi de coupler ici un procédé d'extraction liquide-liquide réactive assisté par un contacteur à membrane, ce qui permet de réduire considérablement en fait la taille de l'installation. Donc, le 3-HP est extrait ici dans une phase organique, donc constituée d'un extractant et d'un diluant pour améliorer sa biocompatibilité. Le 3-HP va donc s'accumuler dans la phase organique. Néanmoins, cette phase organique, on cherche à la régénérer. Donc, pour la régénérer, on va associer un deuxième contacteur à membrane qui va servir à désextraire le 3-HP de la phase organique, ce qui va permettre de recycler cette phase organique et de poursuivre le procédé beaucoup plus longuement. Et donc, de façon tout à fait intéressante, on voit que cette approche permet de réduire les phénomènes d'inhibition qui sont naturellement observés, d'intensifier le procédé et de limiter l'impact environnemental lié à l'utilisation des solvants grâce à son recyclage permanent. Voilà, donc pour à titre d'illustration, donc voici un exemple de résultat obtenu avec ce procédé. Donc un exemple de résultat expérimental. Et puis les courbes montrent également un résultat de modélisation. Donc une modélisation appliquée à chacune des trois phases qu'on a vues précédemment. Donc la phase de bioproduction et les deux phases d'extraction et de désextraction. Donc, en jaune, on voit l'accumulation du 3-HP dans le milieu de bioconversion jusqu'à un certain niveau, puis ensuite sa diminution puisque ce 3-HP va être progressivement extrait dans la phase organique, mais sa concentration n'augmente que transitoirement dans la phase organique puisque vous voyez qu'il est ensuite désextrait de façon continue dans la phase de désextraction. Voilà, donc on a ici un procédé qui fonctionne plutôt bien grâce à l'association de ces et au couplage de ces différentes approches expérimentales qui sont en plus modélisées de façon assez fine, de façon à pouvoir ensuite orienter les choix expérimentaux. Voilà, donc grâce à ces deux exemples, là, j'espère vous avoir montré comment, au niveau de l'équipe, on participe en fait à une amélioration de la connaissance, de la compréhension des procédés de transformation en vue de l'élaboration de produits utiles aux activités de l'homme. Voilà, donc l'ensemble de nos travaux sont construits bien évidemment avec différents collaborateurs. Donc, nous avons un réseau académique relativement développé au niveau national, bien sûr, mais également au niveau international. Nous nous appuyons également sur différentes plateformes, donc notamment sur le plateau de Saclay. Et enfin, nous avons la chance de bénéficier d'un réseau professionnel riche, dont vous voyez ici quelques exemples avec lesquels nous interagissons actuellement. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé cette présentation et je reste disponible si vous avez des questions. Merci. Donc, je vais
commencer par poser une question. Justement, par rapport à la dernière planche, puisque sur le lien avec les industriels, donc on voit qu'effectivement, vous avez un certain réseau. Concrètement, en termes de financement, de choses comme ça, ça se traduit par exemple par un nombre de tests chiffres importantes. Est-ce que vous avez des shares ou voilà, comment ça se traduit en fait après dans les faits, ces collaborations? Alors oui, il y a des tests chiffres. Stéphanie pourra en parler, hein, puisqu'elle en a actuellement. Nous, on est en train d'en construire également en ce moment. Et puis, on a des conventions de recherche aussi, pas nécessairement dans le cadre de thèse, hein, mais simplement dans des conventions de recherche qui intéressent les industriels. Généralement, on favorise l'intégration de doctorants hein, dans ces conventions de recherche dès lors que c'est possible, dès lors que les industriels sont d'accord pour le faire. Tout à l'heure, vous parliez de chaires. Alors, effectivement, il y a également des chaires qui permettent d'établir des collaborations, alors cette fois à beaucoup plus long terme, hein, avec des partenaires industriels. Mais ces chaires ne sont pas au niveau de notre équipe, hein, pas du tout. Elles sont développées plutôt au niveau d'AgroParisTech. D'accord. Voilà. OK. Et sur l'utilisation des plateformes, parce qu'on a vu qu'il y avait entre autres des moyens expérimentaux qui étaient assez conséquents, vous appuyez, alors j'avoue que je ne suis pas du tout du domaine, hein, donc c'est un peu éloigné pour moi, mais d'un point de vue expérimental, tout ce qui est présenté, c'est en lien avec ces plateformes, vous avez des choses en particulier ou, Alors oui, tout à fait. Les travaux conduits notamment dans le cadre du projet Premium, hein, donc Stéphanie pourra mieux répondre que moi, une grande partie de ces travaux justement s'appuie sur des outils développés au niveau de Soleil. Nous, on a beaucoup travaillé également avec la plateforme PAPSO qui est basée au Moulon. Et la plateforme Plastique est une plateforme de développement logiciel qui dépend d'INRAE, nous sert également lorsque l'on fait des développements au travers de nos différents sujets. Et pour les non-initiés, PAPSO, c'est une plateforme qui… C'est une plateforme qui est plutôt… Sur des mesures biologiques, hein, donc c'est beaucoup de la spectrométrie de masse en fait, mais dédiée à des mesures de composition biochimique dans des milieux organiques, principalement. Okay. Et pour faire le lien peut-être avec la formation et puis sur l'environnement Paris-Saclay, vous avez des liens particuliers avec des OI qui ont été mises en place sur l'université ou, Alors. Pas encore. Enfin, ça va démarrer là, notamment avec l'OI Microbe. Mais c'est quelque chose qui est en train de démarrer hein, pour l'instant. Pour nous, c'est encore, on en est encore au tout début en tout cas. C'est pas Stéphanie, hein, si tu veux interagir. Hein. Je vois qu'il y a des éléments dans la discussion, mais je ne vois pas la discussion. Oui, non, mais je gère la discussion. Il n'y a pas de question pour l'instant particulière à la présentation. Donc. Stéphanie, si tu veux interagir, hein, surtout n'hésite pas. Peut-être pour faire le lien avec la présentation précédente, parce que j'ai pas le temps de poser la question, mais ça peut s'appliquer aux deux. Dans l'environnement national et international, le positionnement, comment vous y positionnez puisqu'on a vu que l'offre de master n'existait pas auparavant, donc c'est une demande qui a été faite. Est-ce que c'est plutôt original comme type d'approche ou, Alors, au niveau de l'approche de formation, vous voulez dire Les deux, parce que voilà, alors, ça peut être formation. Alors, au niveau de l'approche, ce qui fait un petit peu l'originalité à la fois, je pense, de notre formation et des activités de recherche que nous conduisons, c'est le lien entre le biologique et le procédé. Et notamment sur les aspects biotechnologie, où donc il y a bien sûr en France, hein, par exemple à TBI Toulouse, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les procédés biotechnologiques. Au niveau de notre laboratoire, on fait le lien à la fois avec ces procédés biotechnologiques, les procédés alimentaires, les systèmes alimentaires, avec une attention particulière à la construction de la durabilité de ces procédés.
quel qu'il soit. Donc, on va prendre, quand on va prendre en compte une filière, on ne va pas uniquement regarder la production de tel type d'aliments, mais on va regarder comment cette production va s'insérer en amont au niveau des matières premières, en aval au niveau du traitement des déchets. Donc, on va essayer de le regarder de plus en plus de façon globale. Donc, c'est peut-être un peu ce qui fait une des originalités à la fois de notre formation et de nos travaux de recherche. Merci pour ces précisions. Donc, on a largement dépassé le temps qui était prévu, mais en tout cas, les deux présentations étaient très intéressantes. Et puis, je pense que ça a permis d'éclairer un peu tout le monde sur ce que vous pouvez nous proposer. Donc, merci encore à toutes les deux pour vos présentations. Je voudrais juste conclure pour dire que le prochain Café 6 donc, aura lieu le 7 avril sur le thème de l'ergonomie. Voilà, donc ça nous permet de continuer à explorer un peu et à présenter la diversité de la GES en termes d'activités à la fois d'enseignement et de recherche. Donc rendez-vous à toutes et à tous le 7 avril. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Au revoir. Au revoir.